هذا نسوى كاين يدينا غادي في الزواره غادي يجينا ميد سادي يدي مسليين غا في دقس نتدياني اني يقدرون دي ثمنات نحاسي مسعود دي ثمورت القبائل دا غان تماوث نوميرو غار دقوفري دينس دقوشواري دي الحاها دي ثو دارتيس سي دي شابيتر ميارا ذن وكل حريش يحكود اتاس نتدياني تكتب دي سمياس زكيا او بيي دو لور نوار نار زكيا دي ثمورت نورا غابرخي انا كادني نيرا مس ميت سادي مرحبا يسك يا زول فلاش الله يسلمك جاهدة ميرسي بوكو بو لانفيتاسيون دونك كان بس الفرحة دام القرآن نشدي كده خاطر نشدن كده كان دونك سي ليديتور وين دي سوفران ان لي ساكينيك كي دي نشدن وكانت سكيف قلت انت ملي ليث سوا زالي ليس دغيا دي وين غا في المانوسكري فرانكوفون سداو العنايا لونسكو وكنتي ليث ليض يار خمسة يمزورا يديو فرارنا قريب تسكويضا قريب تسكويضا سي الفوت انترنت مي لو راست افيكتيفمون يا كوميتي دي ليكتور اي لا جوجي دونك داكور بس لا شطحها في ثمانية ثاقي دونك ثمانية ثاقي دونك امشي تبن دار غرسن تو دابور دونك سي مون اديتور كي لا اورغانيزي افيك دوتر اورغانيزم Mais cette année, il l'a organisé à Paris, mais il l'a organisé à chaque fois dans un pays. Donc, c'était à Descartes, la prochaine fois à Abidjan. Cette fois, donc, il a été organisé à Paris, c'était le 23 octobre. Effectivement, lorsque mon éditeur m'a invité à cette journée-là, donc j'ai vu l'UNESCO, c'était intéressant. Il m'a trouvé dans un moment où j'étais concentré justement sur ce petit livre. C'est un petit livre, effectivement, mais il y a beaucoup de choses. Donc, je vais lui donner un cachet culturel, puisque c'est l'UNESCO, donc c'est la culture au niveau international. Je vais lui donner un cachet culturel. Bien sûr, j'ai parlé de plusieurs fléaux sociaux. Mais l'un des fléaux que je voulais mettre en valeur, c'est plus la dégradation de l'entraide familiale, particulièrement en Kabylie, même si c'est un phénomène national, mais en Kabylie, c'est de notre temps. On le sent. On aura la fin de numéro. Donc les éditions du net, il faudra des éditions en France. لاشو كانوا ذي لاندي ثمورس زمرنا ثفن سوى الانترنت غا زمرنا في دارنا فونت اون ليني دونك إلي ديسبونيبل ديسبونيبل دونك ان بري ابوردابل دونك تخي بيان واد سميش فيغ ميت سادي ماشي ذا اللي سام زوارو اذا تسوفغ واقيلا واكيد ويس اربع ويس ستة ويس ستة ايما فوالا دونك ذا مشوار دي ثيرا جو ماميز افكتيفمون سي با Je ne suis pas ce qu'on peut dire un écrivain professionnel. D'ailleurs, au fil des années, il y a un lien qui s'est créé, un lien très très fort. Alors, Zakia au pays de l'or noir, ça raconte quoi? D'ailleurs, ça a traité un peu la prostitution. Malheureusement, en fait, nous sommes la tasse des Timurna. Ça reste très, très tabou. Et c'est un fléau qui fait ravage en Algérie. Malheureusement. Effectivement, Zakia, effectivement, derrière Zakia, c'est une personne réelle. Donc, il y a eu, mais c'est la femme qui vit à Hassim Saïd de façon générale. Mais je spécifie Zakia pour romancer un peu la réalité que vit notre pays. Et bien sûr, Zakia, en regardant un peu son historique, c'est une fille d'un militaire. C'était les années 90, le terrorisme donc fait il baptisé fait fureur en or. Et comme c'est une famille de militaires, il fallait changer. Et d'une maman qui était très belle apparemment, qui était hôtesse de l'air. Effectivement, Koubanifère Algérie. C'est ça. Donc avec le terrorisme, donc il fallait partir quelque part. Dans un premier temps, ils sont partis à Blabas. Blabas, c'est l'un des grands fiefs du terrorisme. Avant, donc, ils étaient à Hermchi. Hermchi, ce n'est pas par hasard. Effectivement, Zakia peut-être n'a jamais habité Hermchi. Mais pour lui donner un sens historique,
puisque comme j'ai dit, il faut lier ce petit livre à la culture. Remchi, donc c'est la capitale de Sifax, l'un des rois berbères, donc c'est pas pour rien, pour dire que Tamazight, le C'est moi, berbère, c'est etc., Mazraïel, c'est pas seulement la la Kabylie, Kabylie, c'est toute la région d'Algérie. l'Algérie. Et il y a aussi, donc, effectivement, à un certain moment, le mari qui était un officier, le père qui était un officier de l'armée, il ne pouvait pas venir Après, il était au chez Washulkis, Jethé donc il était Wachérit. livré à Même lui-même. à un certain moment, lorsqu'il est revenu, il leur a donné l'argent, il a donc Il a abandonné, il a enfin. Oui, il a abandonné, abandonné il carrément a sa famille. divorcé, etc. Donc il a dit à sa femme, il lui a donné une Tu es somme libre. d'argent, tu es libre, fais ce que tu veux, on n'y peut Alors rien, moi je peux rien, il faut fuir. Effectivement, c'est de là qu'ils sont partis sur Hassim Saoud. Et comme la mère était hôtesse de l'air, elle avait des anciennes camarades qui sont là-bas. Elle est venue s'installer à Ouargla. Et de Ouargla, effectivement, il faut travailler. Et comme elle était hôtesse de l'air, mais parallèlement, elle avait un diplôme de sciences économiques. Donc, elle avait des bagages. Elle a trouvé facilement du travail à Hassim Saoud. Et là, effectivement, ça parle un peu de la dislocation de la famille. Imaginez les événements des années De 90, Washulti, ça a été De Washulti chérie de ma mère, hein, Sherig, chérie, effectivement. Alors oui, sur le bon, je t'avoue que tu donnes quand même ce qu'il est né Ce de qu'il est né, de ce qu'il râle, etc. Gran, Silkin, mais Zakia, malheureusement, par je suis le seul cas social de ma famille. Elle était l'aînée. Donc ses frères et sœurs étaient très jeunes, donc sa mère travaillait à Hassim Saoud, elle s'en occupait à Ouargla de la famille, etc. Donc Et c'était ça. malheureusement, donc vous faites l'histoire d'une femme comme femme de C'est ménage. justement on m'a dit, mais se mettre en retraite, parce que c'était elle avait la cinquantaine, sa mère est partie en retraite. Effectivement, elle s'était mariée, il a eu un garçon. Et puis donc son mari est décédé, il se retrouvait veuve Seul, très très jeune, jeune. donc il fallait travailler, il fallait gagner sa vie. Et surtout sa mère, elle a refait sa vie, il se retrouvait toute seule, ses frères et sœurs, Chacun dans son coin. ils étaient casés. Donc on l'a aidé à trouver un travail de femme de ménage au niveau de Hassim Saoud. Après, malheureusement, elle a été obligée de faire autre chose, hein, Effectivement, de se Hassim Saoud, c'est prostituer une pour. ville, effectivement cosmopolite. Il y a les 48 wilayats et 48 mentalités. Est-ce que ce phénomène il ferait de Swatas des Fimnatagi en À une époque, effectivement, c'était visible à l'œil nu. C'était visible, mais effectivement, depuis ces derniers temps, donc il existe toujours. Mais ce phénomène, c'est plus pour la survie que pour le plaisir. Donc les gens, s'ils font ça, elles travaillent toutes, mais le salaire de femme de ménage à Hassim Saoud, c'est 20 000, 30 000 dinars. Et il faut louer un logement, il faut donc manger, dormir, c'est pas facile. Et surtout nourrir ça ou Donc c'est ses leur familles. refuge en Il fait, y a ouais. des gens qui viennent pour nourrir 10-15 personnes avec 20 000, 20 000, 30 000 dinars, on ne peut pas nourrir une famille en Algérie. Donc, ils sont obligés, la situation les a amenés à rentrer dans ce fléau. وتمثلي ضرب في نقطة ضغن ديما اللي شد نغار ثلاوين دوخ ديما سيدي حاسم سعود بالحاجة تجديد ماشي تقديم سي فينومين كو ميم كي كومونسي ا بروندر دو لومبلور ا بارتير دي زاني Milieu des années 90, donc. 90 يبدا ثلاوين ام الغربة كي فايد نهضر زيك داير كيزن كيني كتيني كي نغار تمورا مدن خاطر الصحراء حاسم سعود ولا ما كاين ذو الغربة تمور في الجزائر كيف كيف غير الناس تروحوا للصحراء دونك ديك داير كيزن كانت ولا ولات ولاوين Effectivement, امشي قلنا لنا Thura Hassim Saoud, donc c'est une ville mixte. À un certain moment, donc jusqu'au milieu des années 90, c'était une ville d'hommes. Voir une femme, c'est exceptionnel. Il y a eu quelques familles de personnes qui travaillaient sur la traque, qui sont prises en charge par l'entreprise, mais surtout à partir des années 2000, c'est toute l'Algérie qui est là-bas, c'est des cadres, c'est des responsables, donc ils s'occupent des postes de responsabilité. La femme est présente grâce justement aux multinationales. C'était Sonatrach et les filiales sont étonnés, parce que quand même les traditions obligent, les mentalités obligent, mais avec l'arrivée des multinationales, des Américains, des Anglais, etc., ils ont ouvert la porte à la femme algérienne.
Et il se trouve au jour d'aujourd'hui comme de véritables Est-ce qu'elle est responsables. respectée, ce guide Ah, d'autos elle est respectée. Tsardem, ça m'intéresse. Elle est payée comme tous les hommes, donc elle est respectée. Donc, respectée, il faut se faire aussi respecter. Tout à Une fait. femme qui se fait respecter, il y a aucune. On la respecte On la respecte automatiquement. automatiquement. الكيم الكيد جوال لخاطر دي قد لي سيغيت مسلاي ضغف يظني تواريخ دونك نشفيو كاف لو ماساكر ني كي ا يو ليو جوجل جويي وقيله ان 2001 جو كرو شفا في فياني ني يقدران دي حاتم سعود عندت تعديه غف تخدمين كاع قلان دي حاسم سعود يتوكس في لسن السر دونك مسلاد شطوح اي سيتي لويزا دونك سيتي لا مامون زكيه يا كيا سيتي كي اللي افيكي حكون باسكو سيتي كي في افيكي الدارتي ديالي انا نقول نسات افيكتيمون لو جور جي لو جور هذاك سي يا في ان امام سيتي تان فوندردي l'imam à la mosquée, il a traité les femmes donc de sales femmes et il faut mener le djihad contre ces femmes-là. Et la majorité de ces femmes-là habitaient un quartier de bidonville qu'on appelle Haïcha. Donc, et effectivement, vers le milieu de la nuit, une bande de centaines de personnes sont rentrées et cassé les portes des maisons, des taudis, etc. Ils ont abusé de ces femmes-là sans pitié. Donc effectivement, et la police n'est venue que Le lendemain. le lendemain matin pour constater les dégâts, tout simplement. Donc effectivement, heureusement, donc cet événement a été médiatisé grâce à des associations, soit locales, soit internationales. On a pu suivre en jugement un certain nombre de personnes qui ont été reconnues Et par ça a la loi. changé les choses, je t'offre. Effectivement, il y a une évolution très sensible. Donc, ce genre de choses, ça veut dire que ça va revenir. Parce que même les mentalités ont évolué. Même toutes les personnes, ils savent donc comment marcher. Donc, effectivement, à une époque, il y avait des personnes qui provoquant, etc. C'est des choses même. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui ne vit pas à l'intérieur, il ne saura jamais qu'il se passe des choses. ضروري تبسلم في دير هي شوت واتس بوين ضروري نهث ذي ثم ذي تاجي ذي ثم ذي النظام الكلي ذي ثم ذي الكلي ماشي دي لا المتزايا كان ماكش نهث حكيت سبيسيالمون غاف حاسم سعود مالوغوزمون غاتس لي فليو النظام ام الكول ام لا دروغ هث سا ضد دول فلسطين مي سورتو لا بروستيتيسيون في دون تمسلية راه غاتس اما ذي نا اما ذي ثم نظام C'est un sujet tabou alors que c'est un phénomène réel. Justement parce que lorsqu'on parle de drogue, on parle d'alcool, l'État est présent donc d'une manière ou d'une autre à travers des lois, à travers des textes, etc. Mais le phénomène de la prostitution, c'est considéré comme illégal, comme interdit. Le texte ne l'interdit pas, les lois algériennes ne l'interdisent pas. S'il n'y a pas de loi, si on ne cadre pas ce phénomène-là, Ça reste faisable, ça reste. effectivement, c'est un peu il faut que l'État encadre ça. C'est une affaire de texte pour encadrer ce genre de phénomène. Alors malgré tout ça, à qui nous donner des meilleurs détectives tagiens, au fait qu'il est là où je suis dans le cayenne, il y a rien que le côté de Hassim Saoud. Ça n'a d'où l'est de chez Fazendix. À quatre c'est que c'est hilaire, tu imagines comme Hassim Saoud. Il faut un effort déjà physique, psychologique. À quatre mètres, bah, qui nous donner un meilleur rêve, na, avec qui nous regarde l'un ou l'autre de nos familles, mais la plupart pour des solutions les plus anciennes que solutions de quelques mois sur la cabine, solutions ou Hassan. Donc tu gênes tes voix sur les sens, tu gênes derrière les sens. Et la vie est très rude, il n'a pas cher de la soigner. Donc malgré tout ça, on a de les citer où se dit qu'il forcément, et vers au scénario que se tape, ils voudront forcément. Mais malgré ça, il y a un lien qui s'est créé avec l'Agdélin Hassim Saoud. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Lorsque j'ai fait mes études, c'était à l'INH, l'Institut national des hydrocarbures de la Sumu, donc je devais travailler dans le pétrole. J'ai tout fait pour faire un métier du Nord. Donc le Sud me faisait peur. Mais une fois, donc effectivement, j'ai fait économie pétrolière, donc je peux travailler au Nord sans aller à Hassim Saoud, sauf faire quelques missions, etc., ou là aussi d'une façon générale. Mais en 1994, avec les événements, parce que moi j'étais à Blida, j'étais sous-directeur à la Wilaya, et comme le terrorisme oblige,
Et surtout, j'avais un frère qui était commissaire à l'époque là-bas, donc il fallait fuir puisqu'on était sur la liste des gens exterminés. Donc j'ai fui vers le sud, le sud est venu. Et je suis parti la première fois pour faire un séminaire d'une semaine. Et depuis ce jour, je suis plus retourné au nord. Donc j'ai continué à travailler au sud. J'ai fait même toute la région de Sonatrach. Il y a 12 régions. J'ai fait tout le territoire. Où est-ce qu'on sort du pétrole et du gaz? Je suis passé. Donc je faisais des cours de management. Et effectivement, avec le temps, on s'habitue. On s'habitue, il y a des habitudes qui se créent. Surtout, à une époque, j'étais au départ comme régime célibataire, je partais, je revenais. Même si je revenais pas à Blida, parce que je revenais plus. Super blida, khata blida y tibira, da itlo tibira. J'avais mon logement, etc. Bad, avec le temps, effectivement, lorsqu'on était occupé par le temps, effectivement, lorsqu'il y a le travail, on s'en occupe, il n'y a pas de problème, on s'oublie. Et puis, à un certain moment, j'ai bénéficié d'un logement à Hassim Saoud et j'ai habité là-bas en famille. À ma retraite, surtout lorsqu'on travaillait, il y a les collègues, il y a la famille, il y a un mouvement. Et puis, à ma retraite, je suis arrivé à un certain moment, j'ai envie d'être seul tout le temps. La solitude, je ne la trouve pas ailleurs, je la trouve à Hassim Saad. Donc, Guinée d'une, ah. maintenant, effectivement, il y a les dunes, mais surtout, il y a aussi quelque chose, par exemple, au Bled. Je veux bien partir en Kabylie, j'aime la Kabylie. Chaque centimètre de mon village المسلسل خاطر تبدا تغبط تبدا تضيحي طوسان السوق ماشي السوق على ريحي طوسان تبدا اسف الحمام لا دونك انا كفو كده حاسب سعد بغا تاكي لي فيلاج اتر سول il y a pas mieux que le sud. Là, justement, il y a un coin que j'aime beaucoup, c'est les dunes. Les dunes à Hassim Saad, c'est connu. C'est un lieu de rencontre des familles, généralement les week-ends ou bien les jours fériés. Mais il y a un moment que j'aime beaucoup, c'était le coucher du soleil ou bien le lever du soleil. Donc il m'est arrivé d'aller là-bas, de rester des heures et des heures à regarder l'horizon, etc. Mais surtout, Hassim Saad, tu as la tous les chemins. Hassim Saad, on a de l'eau H24. يا نص الصحراء Il y a nos Sahara. يا نص الصحراء Et effectivement, là-bas, les gens, chacun dans son petit coin, on ne se parle pas. On se dit bonjour par politesse, sinon, à part les personnes avec qui on travaille, donc on a l'habitude de se voir au pied راس ou là. القبيل دينا راس القبيل كل يوم خميس J'ai à ma droite un Kabyle, à gauche un Kabyle. معناها الخير En face un Kabyle. داكور Mais كل يوم à خميس part مش les عارف politesses, ça se limite à D'accord. ça. Mais surtout, au jour d'aujourd'hui, à mon âge, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de solitude. Et pourquoi ce besoin d'être seul? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, j'en ai parlé. Parce que l'environnement peut-être ne veut pas de moi, ou là, c'est moi qui En décalage. en décalage, c'est possible. Et ça me permet de réfléchir, J'imagine que la solitude de Guy qui donne naissance qui m'a à tous ses ramené, qui m'a écrits, ramené tous ses livres. à écrire. Mais Hassim Saad, c'est comme toutes les villes du pays, mais on est loin et en même temps on est près. Alger Hassim Saad, c'est 1 heure de vol. Alger Annaba, c'est 1 heure de vol. Kif kif sur Oran. Donc il y a ça. Et surtout le besoin de solitude, d'être seul, de ne pas être dérangé. Très bien. Je parle à moi-même parce que à 60 ans, on a beaucoup de choses à se dire à son ego. À Oh, 60 c'est ans, jeune, 60 ans, c'est c'est jeune, une hein? trotte, mais on va se parler, on va se parler à soi-même, etc. Et on a des choses à se raconter, à se Ah dire, hein? oui, il faut. الوغ اول غاف من البوت حكيت شي طوح غاف غاف وساني موراه سي تروح تساعد الدينا دوك لي فاكونس اون برونو ان ابارتمون دينا مي الى واش راني تولد دينا وكد الهواره وسي لا لا الى وين الهان الى وين الدير ملبو وسي لافونتاج دو ملبو نعسق الاثنين نعقس جي لابيتي شاك اني دو باسي كازا 15 جور ا ان موا ابري لو سود دونك اون ا بزوان دو فير كوميم اون كوبيور جو فيني ان فامي
Et Melbourne, je l'ai découvert cette année. Avant, j'ai l'habitude de partir à Aucas. Pendant des années, je faisais Aucas, mais avec qui dit Aucas, je bouge, donc je pars un peu partout. Mais Melbourne, j'ai découvert un très beau village, mentalité kabyle, mais c'est une ville. Donc il y a la ville, il y a le village. Et c'est D'accord. très important. Donc l'accueil est chaleureux, mais surtout, c'est une ville historique. On a découvert Youn Boumden, Khanessa Fallou Bouarmel. C'est l'un des premiers, on peut dire, dessinateurs ou quelqu'un qui fait des caricatures au monde. Ça remonte à des dizaines de milliers d'années. C'est une ville historique, en même temps c'est un petit village, et les gens, c'est des gens simples, des gens accueillants. D'ailleurs, tu me l'as dit, la fratrie de trois sœurs Wakila, Imma Et c'est un peu donc l'histoire, il y a un peu le. il a Il son y a quand même une histoire. recherche historique. Attends, chaque chapitre, ça demande quand même un petit Des résumé avec des commentaires. données voilà, Des plus commentaires précis, plus. pour expliquer certaines choses. Effectivement, l'origine de Melbourne, Après, il y a des légendes, il il y y a a des. des Oui. légendes qui se disent, etc. Donc, Très bien. Et حيث سن تدرتي كي نيت اللي تولني حتى سنة تدرتي دونك خاصك تدرتي حداد لنا دونك الكل شاطر الأحداث دو بير أون فيس إفكتيمون بوندون دي زاني حتى سنة جور دوجوردي il me manque beaucoup تروح في كويت صراحة بور جوني دي جوني رارمون وقيل سدنا تعرق نيثب ولا وقيل جستمون ستشو غير ان ديتاي ثني ضي دروح غام العوايد تروحوض تنشرح لنا تسيم ذاني ذيك حمل مكوالي تروحوض ديك التاجي ما كانوا استرح بنا ريسك وذيني كي قرحنا تاس دايور تنسي دار تو غاد دواقيلا بالليل C'était un pressentiment, peut-être je me suis trompé. ouais Un pressentiment, j'ai remarqué qu'il y a l'accueil est froid, donc je connais un peu la famille. L'accueil était froid, donc c'est de là j'étais un peu choqué. Et Mais profondément pas choqué, profondément, parce que je ne m'attendais pas. hein. À l'intérieur, j'ai repris le retour, lorsque je suis retourné sur Melbourne, il y avait l'image de mon père qui est venu. Et il m'a raconté des histoires que j'aimais beaucoup discuter avec mon père. Parler avec les vieux, c'est très important. Il est né d'un, je l'ai repris en Kabyle. Ouais. Maïn Karam, c'est qu'il m'a dit en vrai. Madiès Ouès. Missin Karbeves, Goumès Itzon, Goumès, Sénéan Atengerdounith. Donc, c'est l'image qui m'est venue. Effectivement, j'ai bien dit juste après, c'est ma fin du monde. Je le mets entre parenthèses. Effectivement, je marchais à Kegium, il y avait l'image de ma mère qui est venue. Ma mère, donc, est sage, etc. Elle a toujours le sourire aux lèvres. Donc, Ilha Svaramilha. C'est une phrase qu'il utilisait souvent. Ouais. Il est venu comme ça, subitement je vois la pancarte Asif al-Hammam. Asif Khwali, al-Khwari, Tsemort Gimma, Tsemort Mazian, Medina Asif al-Hammam, Zgimzia, Shfad, Ntrouha, Daimen Akinia. Donc ça m'a rappelé toute une. مي اه ثاني كي دنيا ذاك يجي ما ساعديني دنيا ذاك يفد دار ثاث مثل حتى ثواشولتي كنا الحبابي اي مولاني دونك عند ثورات بلي مصطلح بلي سكي امزي اه ثاني كي تدر ذاك الشيء اتسقم دار نظني في يدرن سي ان فينومين كي توشي لا كابيلي شباب يا لا غريف ديجا نكوني سي غريب نها كون ويدا غندينا ماشي مزيك يا ماشي مزيك زيك يا تروح تستطبل ساعة شريف في السن هذه وضو غريب ثورا ميم كينين عديد تصدق لا جل قهوة يذنا غنقيم ثورا يا بلوسا يا لا بلوسا لا ثورا افكتيمون لو كان ستطبع نيمبورت كيل بورت يتدرت Et Il de était l'été porte. bourre, de charade, de soirade, même la famille dont je parle, ça ne veut pas dire que. Mais le pressentiment, lorsque tu vois, c'est venu comme ça, donc je ne m'attendais pas, donc Mais il n'y a pas que ça, malheureusement. C'est que tu montres le Qbaïl Tsorouhata, c'est les valeurs innes, Tsorouhata, c'est la Wavina, c'est. Bien sûr, la jeunesse, nous avons une jeunesse dynamique qui essaie de reprendre un peu tout ça. Mais je pense que c'est plus de la littérature que le concret. Parce qu'il y a des choses qui se font bien, mais tant que les sages, d'autant, parce que lorsqu'on a un comité de village, il faut que ce soit la sagesse qui l'emporte sur les connaissances. Les connaissances, on peut les trouver. D'ailleurs,
lorsque je donnais mes cours de management pour donner l'esprit la familial. Là, c'était de Nazik Manoh Al-Jmat. Une Jmat, là, effectivement, tout le village, chaque famille doit déléguer quelqu'un, 18 ans et plus. Mais il y a les meneurs, les dirigeants. Réellement, il y a un seul dirigeant, le chef du village, mais le chef du village n'est jamais seul. Il a à sa gauche, il a l'instituteur, Cheikh Lakoul, il a Cheikh Jama. C'est des conseillers, hein, ils n'ont pas de décision à prendre. Et puis il y a le comité, les membres, etc. Les jeunes essaient de remplacer ça, mais ils n'y arrivent pas. La sagesse d'autant, ou la chute. اي غار ندير تروح على حسابي اسكوزيك باسكو يابي لو ديالوغ لا كوميونيكاسيون باسي هاف ميو سي تروح كيلكو بار مي C'est les bouleversements de la اسكو يبي باتن جوستومون يبي باتني ساكير اسكو دقوم كان نسن تمسلين وكذا ولا ونسن نغل داين لو كورون يتوازن لا لو كورون entre l'ancienne génération et la nouvelle, il n'y a pas eu une passation. C'est un peu peut-être la faute aux anciens. Moi, si je prends mes enfants, je les ai toujours considérés comme des amis. Je les ai jamais considérés comme des enfants. Mes enfants, c'est des amis, je discute avec eux et je discute des sujets tabous. Et donc, il faut que ce soit ce genre de choses qui se développent. تنمرت تم قرنتي مساعدي تصحى تمثل لبني بدرض تمثل تصعب لا كوربسيون سي هيك يجيزر الفامور انو كدارو دي خباني انت مقراني نشبان سوناتراك ومير ولا قريت انت سلحاين مالوغوزمون باسكو نحفن ابخي وفان ديما نسن دي دونك تسيك روحن Et c'est que ces entreprises ont du mal à récupérer justement ce savoir-faire, ces compétences. On essaie de reprendre, mais ce sera dur. Avec la crise, avec tout ça, donc. C'est le pétrole qui a chuté malheureusement, parce que ouais, c'est ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Zakia au pays de l'or noir et l'or noir n'est risque mais elle est des hommes chatouhs. Il a cramé faux. Alors, regardez ça. C'est pour le kabak de Hassim Saoud. Il y a plusieurs choses, mais le kabak de Hassim Saoud, d'ici la fin du siècle, il y aura toujours du pétrole. Mais maintenant, pour le faire sortir, c'est des techniques. Il faut que de nouvelles techniques. Du matériel. Au jour d'aujourd'hui, on a fait sortir à peine 20% de ce qu'il y a dans le. Mais c'est le khair quand même. Mais c'est le khair, inchallah, le pétrole. Mais l'investissement, parce que l'entité Mouraï Sahan, mais c'est des petites choses. D'ailleurs, il y a des exemples. Qatar, c'est le Goral de Jeunesse, des Sahara, Souline, des bâtiments mais incroyables, avec des normes très, 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 très modernes. C'est que maintenant, dans le monde de Zahir, malheureusement, on a vu l'INA, un mousse. Déjà, on est encore. Mais c'est l'arbitre Mouchtata Hagi, mais c'est l'arbitre. يعني فرد النهار دونك ان دلنت مديرين في القرانين يترغوني المزيان ان دا سي سا سي انفستيسمون كي malheureusement donc effectivement on n'a pas investi notre or noir c'est des pays l'ont bien investi ils ont pu sortir leur pays de pays bédouins à des pays très développés الصحاري ولا شكرا oui Hassim Saoud, l'Arabie Saoudite par exemple, d'ailleurs vous l'avez cité, Qatar et Goural Neseguir, c'est des. Souvent, Tim Denin, c'est Goulèche, c'est Sahara, c'est Tim Denin. بس سادي كي نختار ميرتام قران دي بروجي هاف سلام غادو غلط اختار تسوي كي كانوا بري ذاك كي لي فاكونس سلام سادي دو سني مورا سي الهان تري بيان تري بيان سينو مازالك توجور لحاسم سعود غا سون روتريت مي كونتينيو ا ترافايي جو كونتينيو ا ترافايي اون ا بزو دو فيو دونك دي زون مازال خير مازال جو فودري كو ميم باسي ان بتي بونجور بيان سور سي سا فو دو بيان سور ياسمين شريفة لا سو ريكونات Donc c'est une personne adorable que j'aime beaucoup, Yassine. Et je ne vais pas oublier mes petits-fils. J'ai trois petits, donc il y a deux petits-fils et une petite fille. Adam qui est à Paris, Iliane à Nantes et à Radia et Glenit Mort. Donc c'est mes petits-enfants. Et à Tekim Saha. J'espère. Zakia au pays de l'or noir, et différentes tous les éditions.
du net تسجل انت ولت ناغي وسجل سلسلة من الفيلم فورين سو كندو غال دارنس كمان دار تقول الوقت تقول ممكن ارجو صار سي السلام هذا السبعة الميتي ساعي دراجي على السفغة انت ولت ناغي تنمير تنوين يكون ويا اغدي رافقا نجاكم دي ثلويث ارتم ديليث Merci.